Le projet de Maison pour la Science est un projet porté au niveau national par les Investissements d'Avenir, l'Académie des Sciences et la Fondation La Malapate, et en Alsace par l'Université de Strasbourg et l'Académie de Strasbourg, pour permettre aux enseignants de se rapprocher du monde de la science vivante, de la démarche d'investigation dans son articulation avec la démarche de recherche, et dans une rencontre conviviale avec des chercheurs pour initier de nouvelles pratiques d'enseignement des sciences, de nouvelles idées et de parfois un regain de motivation pour enseigner les sciences, de la maternelle jusqu'au collège. La Maison pour la Science propose ainsi des nouvelles actions qui sont construites par des enseignants et des chercheurs en co-construction et en co-animation, comme ici au Cine de Bicière dans le cadre de Graines de Science Maternelle, où nous permettons un rapprochement entre des enseignants qui rencontrent tous les jours dans leur travail quotidien des enfants de classe de maternelle, de cycle 1, et des chercheurs qui travaillent tous les jours dans leur laboratoire et qui vont leur parler de leur motivation pour la science, avec des formateurs pédagogues qui spécialisent des contenus maternels, créent de nouvelles démarches pour enseigner les sciences en classe de maternelle. Là, c'est des fois, c'est une molécule qui ont des formations. Si on prend la notion avec les feuilles des perles, vous avez 20 perles différentes. C'est mon rôle au niveau de la Maison pour la Science de permettre aux enseignants de rencontrer des vrais chercheurs et enseignants-chercheurs, déjà voir que c'est des gens normaux, entre guillemets, donc expression à la mode, et de voir que c'est des gens accessibles et de constater qu'on peut discuter de science, que ce n'est pas très compliqué, que le chercheur il peut rendre la science accessible à tout le monde et de voir que ce n'est quand même pas si simple, mais qu'on peut en discuter. Et de cette façon-là, l'idée, c'est de donner aux enseignants le goût d'en parler eux-mêmes à leurs enfants, à leurs élèves, donc en ayant entendu parler un chercheur, donc, et d'avoir découvert que c'est un monde qui est fascinant. Alors qu'en général, la science, ça fait souvent un peu peur, donc ça inquiète les gens, oh, c'est compliqué, tout ça. Donc le fait de rencontrer quelqu'un qui leur en parle, et avec des échanges, c'est très convivial, donc ça peut les rassurer un petit peu et leur donner le goût d'en parler à leurs élèves. Aujourd'hui, c'est des enseignants d'école maternelle. On s'adresse à des enseignants d'école élémentaire, à des enseignants de collège qui sont eux dans leur discipline, physique, chimie, technologie, vis-à-vis des enseignants de maternelle. Parce que là, il s'agit vraiment de personnes qui ne sont pas scientifiques. Certains viennent là pour trouver de quoi alimenter leurs travaux de science en classe, et puis d'autres ont quand même le goût de la science et ont envie d'en savoir un petit peu plus. Donc là aussi, il y a une hétérogénéité, il faut arriver à satisfaire tout le monde. Et moi, je trouve ça vraiment passionnant, ça me nourrit pour mon propre enseignement aussi, quand je retourne vers mes propres étudiants à moi en licence de chimie, parce que là encore, je vais du coup m'adresser à eux d'une manière différente. Et puis ça me nourrit aussi côté recherche, parce que ça me fait rencontrer toutes sortes de disciplines. Ça m'oblige à faire des jonctions entre la chimie, qui est ma spécialité, et d'autres matières qui sont connexes. Au début, ça semble un peu paradoxal. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec un enseignant-chercheur? C'est tellement loin de notre univers à nous. Et au final, on s'est rendu compte qu'on s'apportait vraiment des choses mutuellement. L'aspect pédagogique pour eux, c'est très loin. Donc leur apporter un peu de savoir-faire par rapport à la transmission à l'école, par rapport à qu'est-ce qu'on fait dans une classe, comment on le fait, la mise en projet, voilà, tout ça ce sont des choses qu'ils ne connaissaient pas du tout et qu'ils apprennent à connaître par notre intermédiaire à nous. Et puis nous, forcément, on s'enrichit de toutes leurs connaissances et de tout leur savoir qui, du coup, nous permettent de faire mieux classe parce qu'on a des connaissances supplémentaires. Et surtout, qu'est-ce qui rentre en jeu là? La profondeur. On touche avec toute la main, pas juste... On touche avec toute la main. Il faut mettre la main dedans. Il faut y aller. Qu'est-ce que ça veut dire là? Je cherche le coton.
le coton. Il faut le distinguer de la matière. Il faut le discriminer de ce qu'il y a autour. Oui, ça c'est une difficulté supplémentaire. Ça c'est une difficulté supplémentaire. La collaboration très riche de toute manière, donc un échange très complet entre les sciences de haut niveau avec des sciences pas de bas niveau, mais quelque chose qu'on peut mettre en pratique en classe. Donc du coup, le pédagogue apportera le savoir-faire, comment mettre en œuvre des sciences toutes pratiques dans les classes de maternelle. Il enrichira son discours grâce à l'apport de l'enseignant-chercheur qui permettra d'apporter des connaissances supplémentaires. On se partage à la fois le domaine du savoir et le domaine de la mise en œuvre au niveau pédagogique. En tout cas, ça ne sent rien. Est-ce que ça... Ah, mais moi j'aime. C'est rigolo, vous êtes trop. On a été très bien accueillis ici, le cadre est vraiment très agréable et le personnel qui nous forme est vraiment très, très compétent. Donc, je suis très contente d'être venue. Et ça s'est très bien passé, j'apprends beaucoup de choses et sur le plan théorique et sur le plan pratique. Je suis plutôt ravie que ce genre d'initiative puisse encore exister. C'est à la fois un apport théorique, un complément théorique important et puis des idées d'ordre pratique pour nous les enseignants sur le terrain. Donc voilà, j'étais plutôt ravie de cette expérience. J'étais surprise d'être aussi bien traitée, d'être aux petits soins, qu'on soit aux petits soins avec nous. J'ai appris énormément de choses aussi. Et si c'était à refaire, je le referais. Les deux jours étaient très formateurs, c'était très intéressant, la formation était excellente. Et le fait qu'on soit tous des collègues ensemble, ça a permis beaucoup d'échanges et de partager nos pratiques ou de partager nos futures pratiques.